Aujourd'hui, ce que nous demandons à l'armée est une question unique. Nous voulons savoir où est la marchandise qui était dans ce camion. Elle a dit qu'elle était dans des dépôts militaires. Nous voulons savoir effectivement si ces dépôts militaires sont des dépôts militaires de l'armée libanaise ou bien c'est des dépôts militaires qui sont à la solde du Hezbollah. Et ça fait quelque temps que l'on parle de Joseph Aoun en tant que prochain candidat au prochain président. Ce n'est pas le moment de parler de présidentiel du tout. Je crois qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités en main et après, on verra au moment voulu quelles vont être les répercussions d'un acte pareil.